avec le 16. Le 16, très bien. Bonjour monsieur, je suis Agnès Michel. Vous m'avez connu il y a quelques années. Ça me fait plaisir de vous voir. Le Kit Chanel, on est bien d'accord? Bien. Le Kit Chanel nous est présenté par... pour la deuxième fois ici. Fils de Jeux Saint-Éloi, qui fait la monte à 3000 euros, on l'a dit tout à l'heure déjà. On aura de faire 6 Jeux Saint-Éloi, un vrai cheval de stack. Et ici, nous avons un cas très particulier, puisque c'est la sœur de Gilles Boé. Alors, ce frère, il est né le 22 mai, et Gilles Boé de Chanet a apporté une grande gloire au Cholumet, figurez-vous, parce qu'il a été vendu, Gilles Boé de Chanet, à Michael Mescam, et Gilles Boé de Chanet a gagné en débutant le prix Bois de Monarque. Et après, elle a été vendue pour fort cher. Fort cher outre-Manche. N'a pas vraiment pour l'instant répété aux grandes dames de son ancien entraîneur, Michael Mescam, qui m'a dit. Mais je vois pas bien ce qu'ils ont pu en prendre. Mais bon, c'est comme ça. Ça arrive souvent. La mère Rosie Keller, une autre. Non seulement je vais dire. Ah, produit non seulement je vais dire Chanel par Elis, mais aussi le très bon Dragon de Chanel auparavant par Essinger. Très bon, puisque encore gagnant cette année. Et troisième, précoce et robuste, parce qu'il a été troisième de Westbury Juvenile Hurdle, ça c'est en fin d'année de 3 ans, bon, tout est bien de 4 ans. Et aujourd'hui, il gagne encore à l'âge de. Donc voilà, je suis une souche solide, une souche de mixte en fait. C'est une gagnante de Listed en Allemagne. On va retrouver aussi un gagnant du Jockey Club. C'est étonnant de voir là Roi Lire, Kazakh Vertemer, mais aussi Trespass, Pistolet Bleu, lui qui a fait Florès en obstacle, notamment en remportant le prix du Verdaguer et le prix de Noël à Autun. Loki de Chanet, présenté par l'élevage de Chanet, né le 22 mai, c'est bien le numéro 16.